Ah, c'est bon, hein. Tu peux envoyer les merguez pour la 12. Elles sont dorées à souhait, là. On y va. Faites un cercle, rentre dans le cercle. Ouais, on dirait un peu Orelsan et Gringe lors du dernier épisode de Bloqué, quoi. Les Socios, cinquième numéro du Club des Socios. Et on est de retour, comme promis, à la fanzone de Saint-Denis pour ce France-Suisse Big Use. Ouais, on va se les faire, les petits Suisses, j'espère. Doucement. Ou doucement. Ouais, soyons bon esprit, bon enfant. On est très bon esprit, surtout avec les Suisses. C'est quand même un pays frontalier. C'est quand même nos amis, c'est quand même un pays limitrophe. Donc on va essayer d'y aller doucement, un petit 2-0. Mbappé et Benzema buteur. On va commencer par le meilleur de la soirée. Bah oui. On va se retourner. C'est parti, hein. C'est Isco, il n'a pas été pris là pour... Il n'a pas été pris pour l'Euro. Du coup, on l'a sélectionné pour les merguez de Saint-Denis. Est-ce qu'on peut faire le premier croc en live? Le premier croc en live. C'est historique, ça. Voilà. Et après, on veut l'analyse. On va voir si les analyses sont plus approfondies qu'au football, quand même. Mmh. Alors c'est l'analyse. Ah, c'est l'analyse. Ah, on continue, on monte en grade, hein, c'est bien. Hein. Un petit pronostic pour ce soir? Il y aura 3-0 pour la France et Benzema va marquer au moins un but. 1 pour la France et 0 pour la Suisse. Ok, donc victoire des Bleus, quoi. Ouais. Ok, ça marche. Mais qui marque? Benzema. 3-0. 3-0 pour la France. 2-1. Moi, 2-0. 2-0, 2-1. 2-1. Qui marque? Benzé, Grisou. Voilà. Je vois un petit 2-0. But de Kylian Mbappé et Benzema. Toi, tu dis la Suisse? Ouais, chacun qui va marquer. Ouais, la Suisse, moi. On gagne la France. Et combien alors? Chacun va marquer. 5-0, Yoris il va marquer. Ouais, donc toi, en fait, t'as envie d'être en marge, quoi. 3-1 pour la France. Avec qui en buteur? En buteur, bah, Mbappé qui va commencer à se réveiller, ce serait pas mal. Ouais, ce serait bien quand même. Ce serait pas mal, le franchement. Le dispositif est fait pour lui. Exactement. Donc, Mbappé et doublé de Benzema. Doublé de Benzema? Ouais. J'aime bien ça, j'aime bien. On va relancer encore en plus, donc c'est bien. Il y a des gens qui passent dans la cam, ils s'en foutent, mais doublé de Benzema. C'est beau, c'est beau. Lui, c'est mon petit frère. Lui, c'est ton petit frère, c'est une star. Hein. C'est une star. On va partir sur un petit doublé de Benzema. Le doublé encore? Encore. La dernière fois, t'aurais dû dire triplé. Hein. On va dire doublé, après on va dire. Après, c'est, ouais, c'est bonus, quoi. Voilà. Et je pense à un petit 3-1 pour l'équipe de France, parce que je pense qu'ils vont prendre un but. Mais. Qui marque pour la Suisse? Shaqiri? Non, pas Shaqiri, Seferovic. T'es un mec comme ça à l'ancienne, toi. Et qui marque le troisième but des Bleus? Pogba. Le pronostic pour le duvet, tu vas avoir une moustache quand, du coup? En quelle année à peu près, tu penses? Je sais pas. Là, il n'y a pas eu de problème de flocage. Voilà. Là, c'est des gens sérieux. Ouais. On pronostic ce soir? Ouais. Moi, je parie 3-0 pour la France. Hein. Ah ouais, c'est ambitieux. 3-0, ça. Ah ouais. Ah ouais, hein, parce que je préfère Benzema, Mbappé et Griezmann. Les trois buteurs? Ouais. C'est beau, ça. Ouais, c'est bon. Hein. C'est chaud, toi. Ouais, comme ça, on peut affronter directement en quart. Comme ça, on pourrait affronter. On affronte qui? L'Espagne. Ouais. Ils sont chauds, les Espagnols. Bah ouais, ils ont gagné 5-3. C'est quoi, c'est une photo, là, en fait? Ouais, on fait une photo, là. Photo, les gars. Photo. Ah, c'est con parce que c'est filmé. Ils vont mettre un vrai score à la Suisse, en tout cas, voilà. C'est quoi un vrai score? Un vrai score, on va dire. Un vrai score, tous les scores sont vrais, en fait. Un vrai score, on va dire un 4-0. 4-Z? Qui marque? Ils encaissent aucun but. Mbappé buteur? Ouais, mais il marque pas 4 buts. Quoi, Mbappé buteur, Benzema buteur. Il y a 3-1. Un but d'équipe Mbappé de la tête et doublé Benzema. L'audace, c'est beau. 2-0, but de Benzema et Mbappé. Ça c'est calme et ça c'est bien. Ok, très sale, moi aussi je suis avec lui, la même chose. Ah, c'est harmonieux, c'est beau. Ils ont pas de personnalité. Moi je suis calme. T'es sérieux toi? Chrono, j'ai mis 3-1, score égal. Frérot, t'as un polo de l'OM, parle pas de personnalité. Bon, bah la pluie va nous gâcher la soirée comme prévu. Même constater que les gens c'est des guerriers, hein. Ils sont là, hein. Ils sont là pour la France. Oh la clim. Mais non. Mais Loris là. Déjà si on fait 3-0 on est qualifié, c'est principal. Ouais mais 3-0 il y a 1-0 pour la Suisse quoi. Ah ouais du coup ça fait quoi? T'es bon en maths toi? Je suis très bon. Non, moi je suis suisse, c'est pour ça. T'es suisse? Mais t'es d'où? Vienne. Vienne t'as dit? Ah ouais pas mal Vienne ouais. Là vas-y, difficile, début de match difficile mais au calme, on va revenir. Et voilà, j'ai pas trop envie de dire de vulgarité mais on va mener le jeu et on va gagner, je le sens. On va se qualifier. T'es dans la saison 2 de valider ou pas? Non pas du tout. Du Benfica. À la mi-temps, un transversal pour les Vasco. Oh, but pas ça.
Ah, t'es fou, les Suisses. C'est toi qui es fou, frère. Saint-Père. Là, je vois que tu es en train de digérer le sandwich merguez, frérot. T'en as à ton 14e, frérot. Fais attention quand même pour la nuit. Enfin, je suis mal placé pour le dire. Commence pas. Deschamps. Ouais. Il doit quitter, frère. Je te dis la vérité, hein. Deschamps, il doit quitter. Ah, ça, il doit quitter les Bleus. Il doit quitter, frère. Ah ouais, frérot. Mais s'il gagne l'euro, fait comment? Il va pas gagner l'euro, je te le dis, moi. Il a signé jusqu'en 2024. Eh hey, Zizou, il est là, il est prêt. Deschamps, il va aller... Il va aller saut. Hein? Il va aller saut. Il va aller... Il va aller bien les fouetter un peu. Bien faut les fouetter, ces petits. Ah oui, hein. Ah oui, comme la crème fouettée. Comme la crème fouettée. Hein? Ouais, tu crois? Ouais. Ouais. Qui marque? Benzema, Mbappé. Normal. Normal. Avant ou après les prolongations? Non, avant. Avant? Avant. Deux. Et les buteurs? Deux pour la France, Benzema. La base, Benzema et un deuxième de Benzema. Hein. Ah ouais, donc doublé de Benzema en fait. Voilà, hop. Oh, chaîne YouTube, vous faites des lives. Ouais, là, on va pas être en live là. Donc, du coup, on gagne ou pas à la fin? Tu peux voir le Kinder Bueno aussi un peu? Alors, qui va marquer? Je sais pas. On sent pas Clément. Alors, Clément, comment ça se passe là cette première mi-temps? T'étais pas top, hein? Ah, franchement, je me suis fait dribbler, mais t'inquiète pas, je vais me venger sur Youss. Franchement, sur la tête de Seferovic, je t'ai senti un peu. Ouais, j'étais. T'as pris trop de merguez à la buvette. Ouais, j'étais fébrile, j'ai mangé et tout ça, mais là, on va se venger avec toi. Allez, on y va. On y va. Les bleus. Mais frérot, tu choses du 52, frère. 48. Voilà, en anglais en direct live, les gars. Ah ouais, bravo. Sur Big U, sur... Bravo, frérot, bravo, tu m'as fait rêver. Aïe, 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 penalty. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. C'est maintenant. Hey, les petits Suisses. Karim, t'es costaud quand même. Attends, parce que t'es costaud. On est venu deux soirs avec toi. Tu nous as annoncé deux soirs le doublé de Benzema. Deux fois doublé de Benzé. En plus, j'ai dit quoi? But de Seferovic. On va aller au bout de l'Europe, hein. Oui, tu nous fais une fanzone à tous les matchs. Et moi, je vous fais une fanzone et à la finale, je vous fais une surprise, mais magnifique. Tu nous as dit quoi déjà? Moi, j'ai dit 3-1. Et c'est qui le troisième, t'as dit? J'ai mis Pogba. Pogba? Pogba. Okay. J'ai confiance en lui, il fait un bête d'euro, faut qu'il marque. Et s'il y a Pogba, je te recrute au club des 5. Je te jure. Voilà. Je te jure. Inch'Allah, Pogba est marqué. Allez. Il est reparti voir le Suisse. Juste avant, je l'ai retiré encore. Paul, il va marquer. Le contour. Il a dit. Là, il est dans l'angoisse là. Que si Pogba a marqué 3ème but, j'étais recruté officiellement au club des 5. J'attends. Ouais, mais tu sais que c'est un livre pour enfants, le club des 5 à la base. J'attends. Je savais qu'ils allaient gagner. T'es encore contente de ouf cette fois? Eh, attendez qu'ici faire la fin, vous allez m'entendre crier. C'est quoi du match de l'Italie? Je l'ai pas vu. Ah ouais? Non, pas vu celui-là. Ouais. Mais pourtant, t'étais à fond derrière eux. Hein. Pas spécialement, non, c'est l'Argentine, mais bon, après. Ouais. Ah! J'espère. Gonzalez. C'est lequel ça? Tu joues à Marseille? Ouais, mais c'est quelle équipe? L'équipe de Marseille, de l'Argentine. Là, actuellement? Non. Ça fait, il a arrêté là. Ah, mais c'est Lucho Gonzalez. Et Riquelme, t'aimais bien Riquelme? Ouais, Ron Roman Riquelme. Là, tu parles de qui, Gonzalez? Ouais. Non, Lucho Gonzalez. Ouais, je le connaissais pas, lui. À chaque fois que j'ai parlé, la Suisse, ils ont marqué. Ah, mais. Là, j'ai parlé, ils allaient marquer. Ouais. C'est bon, je m'inquiète. Ça vient à bout. Ah, c'est quoi? Voilà, j'ai dit ça. Et 66 millions à vouloir te mêler, toi. Viens ici, viens. Ah, tu nous as fait quoi, là? C'est très moche, que tu fais. Alors, on est ensemble jusqu'au bout de la nuit là. Attention,
ça va le faire. Ça va passer ? J'espère bien en tout cas. Quand ? Sinon ça sera dommage. Hein. À quel moment ça passe ? À la fin, Giroud va nous sauver. Les petits pas. Non ! C'est maintenant Hugo ! Ça se jouait au feeling. Est-ce qu'il est là le premier arrêt ? Oui, il faut faire dire. Arrêt du, de Hugo ! Il la met au-dessus. Il y a besoin pour égaliser 3. Saturim, c'est ça Marcus. C'est maintenant Hugo Lloris. C'est maintenant. On est confiant ou pas? Oui, bien sûr, bien sûr. Kimpembe, t'es confiant? Non, pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Monsieur Papalini qui a mis du temps à valider l'arrêt de Zoma, peut-être avec une balle sur sa ligne. C'est terminé, les Bleus sont éliminés. Et pour la première fois dans l'histoire de la Nati, la Suisse est en quart de finale d'une Coupe. Qu'est-ce que tu nous as fait, Kylian? Qu'est-ce que tu nous as fait? Va falloir la gagner 2022. Va falloir que tu nous la gagnes. C'est honteux ce qui s'est passé, non? Très honteux. Je suis déçu. On est resté honteux beaucoup. On attendait ce but. Mais même la pluie, on est resté malgré la pluie. Malgré la pluie, on était là. Ça démarrait mal, toi. Voilà. Voilà, c'est grave. Voilà. Voilà. Mbappé a raté son Europe. Il a tout raté. Même sa vie, il l'a raté. Voilà, c'est grave. Voilà. C'est pas beau, c'est pas beau. Ouais, ouais. Le monde est méchant. Franchement, Mbappé, il est trop nul. Comment tu peux rater ça devant toute la France en plus? Non, c'est... Je pense pas qu'il ait un peu de pression, il est jeune, hein? Ouais, mais non. Plus gros échec de sa carrière, là? Ouais, c'est sûr, là. C'est un manque de respect, là. On va vous manger, les profs. C'est un manque de respect. Ils ont pas respecté. Ça fait mal au cœur. Ils nous ont humilié un petit peu, mais c'est pas grave. J'ai un peu cassé ma voix pour rien, mais bon. Tu penses quoi de l'euro de Kylian Mbappé? Comment? L'euro de Kylian Mbappé, t'en penses quoi? Bah franchement, il a un peu déçu Kylian Mbappé, hein. On s'attendait à mieux, il a déconné quoi. C'est pire qu'en 2002 là? 2002? Waouh, c'est pire. La seule fierté, c'est que Benzema, il a... Ouais. Il a fait taire tout le monde. Toi, t'as dit si on va au tir au but, on perd. Hein. Moi, je l'avais prédit, hein, parce que c'est là, c'est compliqué. Dit. Parce que là, franchement, Mbappé... Voilà, c'est grave. Moi, je la sentais tirer en dernier. Ouais, ça donne envie de pleurer. Ah mais c'est bien le match. C'est pourquoi, en fait, nous les potters de Mbappé, Karim Benzema, si on gagne, s'il perd, c'est pas grave. Si ces prochaines fois on gagne de la coupe, c'est pour nous, pour le cœur de la finale. Bah voilà. D'accord, JCVD. Merci beaucoup, merci. Voilà. Bonne soirée. Allez, bonne nuit champion. J'aimerais remercier Paul Pogba, Karim Benzema. Ouais. N'Golo Kanté, Hugo Lloris, Jules Koundé. Non. Vite plier Mbappé comme ça. Non, allez, c'est pas bien. Non, mais hein non, j'ai pas lui jeté la pierre, mais j'ai envie de lui jeter une grosse roche. Ouais. On lui jette la pierre. On lui jette la pierre, là, ce qu'il a fait, là. Il fait de la merde. Est-ce que c'est le moment de Zidane ou pas? C'est le moment de ZZ. Hein? Franchement, ZZ, il revient, je vous prépare un maillot de fou. Bon, Big. Ouais. C'est terminé. La fin des haricots. Ouais, champion du monde, VG Dream, tout ça pour se faire éliminer par la Suisse en 8e de finale de l'Euro. Se faire éliminer par des petits Suisses en menant 3-1. Mes frérots, c'est une faute professionnelle. Faute professionnelle. Faute professionnelle. On a fait jouer l'anglais pour se manger un but de Seferovic au bout de 20 minutes de la tête. Et qui était sur Seferovic? Je te le donne en mille. Vas-y, dis-moi. Non, c'était pas un Allemand. Non, c'était pas. Non, c'était pas un Espagnol. C'était l'anglais. C'était pas Koundé. Les Socios, merci d'avoir suivi ce club des Socios. On vous donne rendez-vous pour un prochain numéro sans la France et avec la passion. Maintenant, tu m'as bien sûr. Bah ouais, je suis triste moi. Moi, je suis triste. Moi, la France, elle est pas, va pas au bout. C'est mérité. On va se faire quoi? Des Angleterre-Allemagne, des. C'est pour l'Italie, je pense. Ouais. Cette année, c'est pour l'Italie. Sans De Bruyne, sans Hazard. Hein? Ouais. Après, ils jouent pas de toute façon. Après, Espagne-Suisse, ils jouent gagnant. Ouais, c'est pour eux. Cette année, c'est pour l'Italie. Moi, je vois l'Italie, moi. Ouais. 30 matchs sans défaite, 29 matchs. La même série que l'Algérie. Ouais. Non, l'Algérie, 27. Ouais. C'est eux. Il y a Italie-Algérie en finale. Non, je suis un amateur de football ici, arrête. Ouais, on a eu un petit problème au début avec la pluie et l'écran. Ça va, enfin, on a réussi à s'en sortir et voilà.
ça fait plaisir à tout le monde, mais on a perdu, je suis déçu, je sais plus quoi dire. Regarde ma veste comment elle est, ça explique tout. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. En tout cas, merci. T'as un style à l'image de la défense des Bleus ce soir. C'est ça, c'est un peu le bordel. Déshabillé. C'est quand même une belle entrée, Marcus Thuram, merci.